quoi l'aïkido? C'est une bonne question. En gros, il faut à peu près une vie pour y répondre. Pour pratiquer l'aïkido, il faut qu'on reçoive quelque chose. Vous mettez deux aïkidokas du même niveau l'un en face de l'autre, ça ne passera jamais rien. Par contre, le premier qui attaque, c'est-à-dire qui saisit, qui donne un coup de pied, un coup de poing, ce qu'on veut, l'autre va se déplacer, va utiliser la force qui arrive sur lui pour immobiliser, pour faire chuter, pour montrer que ça ne sert à rien. Mais le but, c'est pas de casser. C'est pas de montrer qu'on est le plus fort, c'est montrer l'inefficacité, l'inutilité de l'attaque. C'est selon chacun, selon l'état d'esprit, et c'est très important de s'inscrire au moins une activité pour tout le monde, quoi. Et choisir sa voie, et c'est très important pour son bien-être et son équilibre et l'harmonie.